Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis monsieur Eddy Moupépé, président du Conseil national des supporters de la République démocratique du Congo. On vient de vous croiser ici en direct de San Pedro. C'est quoi la raison de votre présence? Oui, nous sommes la délégation des supporters qui sont venus soutenir les Léopards pour les pousser à récupérer la coupe et les ramener en RDC. Et vous pensez que l'objectif sera atteint? Ne vous en faites pas, l'objectif sera atteint. Je demande à tous les Gomatraciens, à tous les Kivusiens de soutenir les Léopards et d'être tous derrière les Léopards, car demain, c'est déjà la qualification. Demain, c'est la qualification. C'est déjà la qualification. Qu'est-ce que vous rassure? Nous sommes rassurés par rapport à la performance de notre équipe et de la confiance que nos joueurs ont pour les matchs de demain. Sachez que ça fait longtemps que nous avons gagné le Maroc. Mais beaucoup de gens pensent que le Maroc est imbattable pour le moment. Ne vous en faites pas. La RDC, nous, lorsque nous sommes venus, Tolobi, Toyete, Potozaba favori. Ouais. Mais nous sommes des outsiders. Mmh. Cela veut dire nous allons surprendre tout le monde demain. Et le Maroc en est conscient. Et moi, à tous les supporters congolais, soutenons, soyons tous derrière notre équipe demain. Ne lâchons rien, car nous allons gagner. Demain, nous allons battre le Maroc. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le Maroc va perdre. Pronostic? 1-0. Demain, nous allons battre le Maroc par 1-0. Que tout le monde soit derrière nos joueurs pour les soutenir. Ne vous en faites pas. Demain, le Maroc, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons les battre, car nous sommes les Léopards. Nous sommes la RDC. Et mon global sur l'organisation de la CAN, parce que les Ivoiriens pensent que c'est la CAN de l'hospitalité, c'est la meilleure CAN. Est-ce que tu partages cet avis? Comment tu trouves l'organisation de les peuples ivoiriens en général? En tout cas, nous devons être reconnaissants envers le peuple ivoirien. Ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose. Ils sont vraiment hospitaliers, nous sommes bien accueillis et partout nous passons, nous sommes très bien sécurisés. Bientôt là, le CNS sera à Goma. D'ailleurs, c'est toi qui nous accueillis parce que nous sommes déjà à Kinshasa, nous sommes au Congo central. Bientôt, nous allons installer la structure de CNS au niveau du Grand Kiv. Côte d'Ivoire. Bah on va zo hésiter qu'on kende stade pour bakanisi ke bakopola. Est-ce que message moko na linga les uns? Ban ba congolais nyonso oboza awa na Côte d'Ivoire. Bo bangate, boyebi histoire à 2017 et qu'on s'est répété. 1-0 to gagnaka ya kabananga, 1-0 ya lobby pe ezali. To ya ebele na stade ba o nyonso bazala na Côte d'Ivoire. Bo bukanate, bo ya ebele na stade. Ba joueur ba na confiance. Et puis, si on a confiance, peut-être aux assurances. Tu as la première tour, tu as repoussé à la team aussi. Pourquoi pas qu'on soit coupé pour nous refaire dans le Congo? Coupé dans le Congo, Kala! Merci, président. Merci.